Salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de Arcania Gothic 4, The Complete Tale. Donc là, je vais charger la partie. Et on devrait se retrouver normalement en pleine quête. Mon personnage devait fabriquer une bague de fiançailles. Je venais justement de parler au bonhomme qui était capable de la faire, donc voilà. Donc voilà, et une fois parlé à lui, je pense que je vais parler à ce petit Uruk que nous connaissons déjà, pardon. Uruk, il paraît que tu as trouvé de l'ambre sur la plage. Oui, berger. De l'ambre magnifique. Tu pourrais me le donner? Donner? Oui, j'en ai besoin pour fabriquer un bracelet de fiançailles pour Ivy. Uruk est un serviteur et un marchand. Et? Le marchand veut de l'or. Je n'en ai pas. Le serviteur Uruk veut devenir maître. Où veux-tu en venir? Le berger devient le serviteur d'Uruk, et Uruk donnera l'ambre au berger. Je vois. Qu'attends-tu de moi, au juste? Uruk aime les champignons bleus. Il pousse dans une grotte fermée par une porte, tout au fond du bois au cerf. Uruk va toujours chercher ses champignons lui-même. Mais Uruk a maintenant un serviteur. Le serviteur doit prendre la clé et ramener ses champignons. Oui? Donne-moi la clé. Je vais te ramener tes champignons. Cours, serviteur. Cours! Uruk a faim. Ouais. Donc en gros, si je comprends bien, je deviens ta boniche. Ouais, bah t'es moins sympa que je le pensais quand même. Ah là là, je te jure. Et si on allait dire bonjour à maman? Maman, avec tes cheveux fluo, où es-tu? Maman. Il n'y a pas de maman. Non, maman a disparu. Mais où est-elle? Maman. Oui, des crocodiles. Ça change un peu d'avoir la nuit est tombée, mais on voit assez clair quand même, hein, pour une nuit tombée. Serviteur, où sont mes champignons? Je ne les ai pas encore. Quand le maître a faim, le serviteur fait vite. Cours, cours! Mort de rire. Du coup, tu t'en vas, toi? Ouais, non. Ah là là. Allez chercher des champignons pour cet abruti. Vu la façon dont il me parle, je le croyais quand même plus gentil que ça, hein. C'est par là. Ok. Donc ça c'est bien. Ah bah évidemment. Et voilà. Bah une pièce d'or, tiens, truc à faire.
qu'est-ce qu'il y a à récupérer là du coup? Bah écoute. Voilà, et ça c'est quoi ça? Je sais pas ce que j'ai ramassé. Alors, où sont les autres? Voilà, un deuxième champignon de ramassé. Oh, tu m'as tapé dessus. Non mais, hé, tu te crois où, là? Une pièce d'or. Non mais, dis donc. Voilà, comme ça, c'est fait. Voilà, voilà. Et je pense qu'après, on le fera dormir un peu pour récupérer ses points de vie, parce que là, en plus, je suis passé à 70 au max. On gagne en XP. D'accord. Et voilà. Une pièce d'or. Tranquille. On ramasse tout. Comme d'hab. On regarde là. Oh, des pommes. Ah non, mais là, les pommes, sérieux. Moi je les prends. Hein. Ah, un coffre. Waouh, pièce d'or, bande de chambre. Chambre. Potion de guérison, potion d'alma. On prend tout. Voilà, encore un champignon. C'est parti. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a tout ramassé dans le coin. La 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 la. Ah, des rataupes. Et voilà. Encore un champignon. Voilà. Hop. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Et on va voir passer par là. Hop là, les pièces d'or, voilà, voilà, plutôt pas mal, récupère leurs armes, donc ça c'est bon. La potion d'Alma, tiens, c'est pas mal ça. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais il n'y a plus de musique dans le jeu là.
Voilà, elle est revenue. Bon, c'est bizarre. Po 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 po. Ah, j'ai des bugs de musique, hein, moi, quand même. Où sont mes champignons? Ils sont là, connard. Voici les champignons bleus, je les ai trouvés. Bon serviteur. Serviteur. Et l'ambre, tu me le donnes? Il est à toi, berger. Alven pourra peut-être en faire un bel objet pour la demoiselle. Bon. Ok. Ok, ok. Donc. Donc, du coup, je peux aller parler au monsieur qui va me fabriquer la bague. C'est pas beau, ça? Est-ce que tu as l'ambre? Oui, le voilà. Excellent. J'ai déjà tout préparé. Je dois juste monter l'ambre sur le bracelet. Et voilà, c'est fait. Ça te plaît? Beau travail, Alven. C'est magnifique. T'es nerveux? Oui, un peu. T'en fais pas. Elle est enceinte. Et on va dire quoi? Elle te l'avait pas dit? Ivy est enceinte. Et comment? Vous n'avez pas... Enfin, tu vois... Si, mais... Alors, c'est pas si surprenant. Tiens, prends ce bracelet et va la voir. Ça va aller. Ouais. J'aime bien la fille, elle est enceinte, mais elle te le dit même pas, tu sais. Ah, mais c'est incroyable ça. Bah voilà. Bah du coup, j'ai piqué des trucs chez lui. Ah, c'est marrant. Bon, alors du coup, je dois aller parler sans doute à ma fiancée. Ah, le jour revient. Connasse. Tu m'as pas dit que t'étais enceinte. Tu es enceinte? Qui te l'a dit? Alven. Quel crétin! Donc c'est vrai? J'ai toujours voulu avoir un enfant. Pas toi? Si, bien sûr, mais c'est tellement soudain. Ce qui fait un partout. Et tu voulais me demander autre chose? Ce qui fait un partout? L'hôtel te dit pas la vérité? En quoi il y a un partout? J'ai rien à me reprocher, moi. Enfin, le perso. Ton père m'a donné sa bénédiction. Et je t'offre ce bracelet de fiançailles. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Tu le veux? Oui, mais à une condition. D'accord. Oh bah non! Promets-moi que nous irons à Argaan après notre mariage. Mais tu es enceinte! Justement! Avant d'être pleine jusqu'au cou, je veux vivre une vraie aventure, loin de cette île barbante. D'accord. Je vais en parler à Diego. Dépêche-toi, il s'apprête à quitter Féchir pour de bon. Un bisou. Qu'est-ce que tu attends? Va voir Diego. Ouais. C'est fou là, lui. Knut, qu'est-ce que tu veux? T'aplatir la tronche pour Ivy. Tu t'en crois vraiment capable? Sale bâtard. Je vais t'écraser. Si tu veux. Ah bon? Bah n'importe quoi. Wow! Genre t'as un pouvoir toi. Arrête! Arrête! T'as gagné.
Ne t'approche plus d'Ivy, c'est clair? Ouais, ouais, d'accord. Je lui ficherai la paix. Non, mais on tombe sur un connard qui est jaloux, mais mort de rire. Mort de rire. Ouais, mais alors du coup, le truc qui m'enquiquine un peu, c'est où est Diego? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. Bah non, mais... Moi, de toute façon, il me semble que je l'avais croisé sur ce chemin-là. Non? Je m'en rappelle plus. Oh si, je l'avais croisé là, je me souviens. On va d'abord aller chez lui déjà, parce qu'il me semble que c'était là-haut. Hop, on récupère une pomme par terre. Ouais, c'est bon, en fait, il était chez lui. Bah voilà. Voilà, voilà. Il était chez lui, notre copain. Le sourire sur ton visage me laisse à penser que Gromar t'a donné sa bénédiction. Tu as tout deviné. Raconte-moi tout. Ivy veut aller à Argan avec moi. Argan est en guerre, mon ami. Ce n'est pas un endroit pour des tourtereaux. Quand tu as commencé mon enseignement, tu m'as promis de m'emmener un jour à Argan. Oui, mais tu étais censé voyager seul. Maintenant, Ivy veut t'accompagner. Tu as été un bon professeur. Je peux la protéger. Tu te crois capable de la protéger? Prouve-le. Je t'ai vaincu en duel et je t'ai débarrassé des gobelins, tu te souviens? J'ai été assez aimable pour te laisser gagner. Et les gobelins ne sont que des gobelins. Si on se battait réellement, tu n'aurais aucune chance. Alors prouve-moi que tu peux protéger Ivy. Et je vous emmènerai tous les deux à Argan. Tu veux que je te combatte encore? Non. J'ai là un sac d'herbes rares pour Lyrka. Apporte-les lui. Tu veux que j'aille voir Lyrka? La sorcière? Je vais devoir traverser la forêt ténébreuse alors. C'est là que vivent les animaux les plus sauvages de l'île. Rien ne t'oblige à y aller. Tu peux très bien rester sur Féchir avec Ivy et garder des moutons. Donne-moi ce sac. Je vais l'amener à Lyrka. Très bien, le voilà. Et prends aussi cette clé. Elle te servira à ouvrir la porte au fond de ma grotte. Continue vers l'est, jusqu'à ce que tu trouves un chemin. Et suis-le vers le nord-ouest. Il te mènera directement à la hutte de Lyrka. Ouais. D'accord. Très bien. On boit un coup. faut passer par là. Attends. Ah non. Je croyais qu'on pouvait y prendre, peut-être, non. Et voilà. Non, il n'y a rien. Ok, donc nous voilà partis dans une nouvelle aventure. Attends, parce que je vais peut-être pas m'en faire sans arrêt si je peux éviter de celui de droite. Ah non! Ah, il me voit quand même, hein! C'est pas possible ça! Hein. C'est vraiment le truc typique des RPG de te foutre des ennemis à la con sur ton chemin, quoi!
Ah ouais. Alors, tu as peur de Lyrka, la sorcière de la forêt ténébreuse? Non, je n'ai pas peur. Peut-être que oui, peut-être que non. Mon petit nez me dit que... C'est plutôt oui. Je viens de la part de Diego. Oui, je sais. Je vous apporte des herbes. Alors, donne-les-moi. Tenez, prenez-les. Je vous laisse maintenant. Me laisser? Je ne crois pas. Tu n'es pas venu seulement pour les herbes. Hein? Diego ne m'a rien dit d'autre? C'est vrai. Hein? Pourtant, il m'a promis de t'envoyer à moi. Oui, je dis ainsi. Pourquoi ça? Et parce que je lui ai demandé. Vous? Pourquoi? J'ai ressenti des choses quand ils t'ont trouvé. Des choses qui doivent être éveillées. Ressenti? Des choses qui doivent être éveillées? Je comprends rien à ce que vous dites. Quelque chose sommeille en toi. Une force. Une force magique. Pas à ma connaissance, en tout cas. Mais si, je la sens. Il faut juste l'éveiller. Et comment? Ferme tes yeux. D'accord, je vous crois. Regardez, je ferme les yeux. Oui, c'est très bien. Tu es réveillé? Dormi combien de temps? Oh, quelques heures. Quelques heures? Ça prend du temps de libérer la magie. Je peux lancer des sorts maintenant? Peut-être bien. À moins que tu ne puisses que lire tes parchemins enchantés. Où sommes-nous, là? Dans une grotte, sous la forêt ténébreuse. Je connais cette grotte. Tu l'as vue en rêve? Oui, c'est ça. Ah. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu vas me rendre un service. Bah tiens. Cette grotte est remplie de vermines, de dévoreurs de racines. L'acier ne suffira pas si tu veux les tuer tous. Les dévoreurs de racines se rétractent dans leurs coquilles comme des tortues. Mais tu peux les empêcher de se cacher en les frappant avec la foudre, hein? Des éclairs? Tiens, prends ce parchemin enchanté. Tue cette vermine. Elle rend mes arbres malades. Et n'oublie pas la reine. D'accord, je ne l'oublierai pas. Si tu n'as plus de parchemin, viens me voir. Je t'en donnerai d'autres. Mais ne les gâche pas. Inventaire, je suppose. Le parchemin. Je commence à avoir pas mal de choses. Hein. Non, c'est pas ça. Ah, de ça éclair de fois avec avis. Bah oui, ça peut être que ça. Donc, du coup. Ah là là. D'accord, c'est pas ça. Bravo. Bravo, bravo. Ah, mais... Ah, d'accord. Ouh. Ah, bah voilà.
Oh bah. Non, c'est pas ça. Allez. Oh là 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 là, pas assez de mana. Ah, il va se rage. Il va se régénérer ce qu'on a. Bah arrête de me toucher toi connard, c'est bon. Allez, t'es sur le point de crever. Y a rien à récupérer sur lui? Non? Ah si. Carapace chitineuse brune valeur 2. Bon allez hein. Ouais mais là, vas-y redonne-moi des trucs là parce que j'ai tout bouffé quoi. Vous avez d'autres parchemins magiques? Alors, tu sais pas viser? Quelle importance. Tiens, prends-en. Vous avez d'autres parchemins magiques? Tu en as encore assez. Alors, qui c'est qu'on va tuer le prochain coup? Qu'est-ce que c'est que ça? Wouah, pas ça, si? Bon, eux on sait qu'on peut les tuer comme ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. D'accord. Donc là, par contre... Ah bah je l'ai raté. Je m'en fous que tu te recroquevilles. Tu vas y passer. Y a plus de mana, forcément. Oh là 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 là, ce truc de mana que ça me pète les couilles. Oh. Mais reviens là, bordel de merde, c'est pas possible ça. Bon. Ouais mais là 12, non. Putain faut que je retourne la voir quoi. Là bah heureusement que t'es là. Que je passe pas tout le chemin. Vous avez d'autres parchemins magiques? Alors, oh là là. Tu sais pas viser? Quelle importance. Tiens, prends-en. Bah franchement si elle en a volonté, c'est parfait. Si elle t'en donne la volonté, c'est parfait. Mais enfin bon, si c'est une sorcière ou je sais pas quoi, bon, elle pourrait quand même, j'ai envie de dire, se démerder toute seule, quoi. Ah là là. D'accord. Donc en fait, pour me faire chier, j'ai les petites merdes. Voilà. Voilà.
Ben, je la trouve pas extraordinaire cette quête, hein, quand même. Autant le début, je disais rien. Je m'étais dit, oh, c'est l'introduction, la fiancée, le beau-père. Je disais trop rien. Je me suis tapé des délires. Bah, autant là. Mouais. Bon, c'est sympa d'utiliser de la magie quand même. Je dis pas le contraire. Bon. Alors. Bon, par contre, je vais peut-être remonter pour être à fond. Elle te suit, ça va. Vous avez d'autres parchemins magiques ? Alors, tu sais pas viser ? Quelle importe. Quand ça me saoulait. Hein. Bon. Non, le truc qui est vachement bien, c'est qu'elle te suit. Ça, c'est quand même bien fait pour ça. Tu te retapes pas tout le chemin. Parce que franchement, c'est quand même déjà assez long comme ça. Non, et c'est bon. Bon, après cette quête-là, on arrête. Ah bah. D'accord. Non mais tu sais que t'as les petites araignées que je dois tuer, donc si toi tu viens à ce moment-là, c'est pas drôle. Et elle fait rien. Elle me laisse faire tout le boulot. Putain mais... Non mais c'est pas possible ça. Dis-moi que c'est une putain de blague. Ça m'énerve ça, il te suit. Tu fais en sorte de reculer pour pas te faire toucher. Et il repart. Mais tu crois que tu me fais peur avec ta coquille ? Ah bah y'a monsieur a plus de mana, hein. Je peux plus te tirer dessus mon grand. Hein. Ah il est pas mort. Pas possible ça. Ah là. Tiens, viens jusqu'à moi. Tu vas m'ordonner encore. Vous avez. Tu en as encore. D'accord. Pour elle, j'en ai assez. Donc, si j'en ai assez. Bah, non, mais je préférais être plein. Hein. Pour être tranquille. Oh, pfff. Quand des araignées, mais c'est pas possible, c'est une blague. Mais non, mais c'est surtout qu'elles sont nulles. Voilà. Ah bah voilà, pas assez de mana. À chaque coup qu'on arrive sur la fin. Sérieux. On peut pas le tuer. On peut pas tuer une bestiole comme ça avec une barre de mana quoi. Mais c'est n'importe quoi. Allez. Là, vas-y, reste-toi, t'as raison, j'ai que ça à faire. Oh
Oh non, il se raise. Non, c'est une blague là. Non, c'est une blague. Bon, allez, donne-moi des trucs parce que là, j'en ai ras-le-bol. Donne-moi des trucs. Donne-moi des trucs. C'est pas possible. Je te jure. Mais je te jure, mais. Non, puis il se raise complètement, quoi. Non, ça me saoule là. Sérieux, ça me saoule là. Allez, donne-moi des trucs. Donne-moi des pouvoirs. Elle en donne plus. Bon, bah comme ça c'est bien. Vas-y, casse-toi, tu m'énerves. Casse-toi, vas-y. Putain. Ça sert à rien. Mais ça sert à rien là. Il m'en reste que 3. Je pourrais pas te vaincre. Putain, en plus ces bestioles là, elles sont pas difficiles à battre. Mais trop long. C'est juste que c'est trop long. C'est une quête de merde. Bon, alors. Il commence vraiment à péter les pieds. Voilà. Tu peux me donner des pouvoirs, s'il te plaît? Tu peux me donner des pouvoirs, c'est... Non, tu veux pas. Tu veux pas aller là-bas? Tu vas retourner dans ton repère et puis je vais retourner voir la sorcière. Tu veux? Tu veux ou pas? Parce que si tu me suis sans arrêt alors que j'ai plus de pouvoir. Non mais arrête de me suivre. Eh mais t'es sérieux, tu vas pas me suivre sans arrêt? Si tu me suis sans arrêt, elle me donnera rien. Allez, vas-y. Ah putain. Mais sans déconner. Ou elle attend que j'ai plus rien du tout, peut-être. Peut-être ça. Bon, alors que j'ai plus rien, t'acceptes de me donner maintenant? Ah non. Ouais, non, mais c'est bras, ça m'énerve. Moi, je me casse. Allez, démerde-toi, la sorcière. Ciao. Je pense qu'en refaisant un petit peu le chemin inverse, il va peut-être me lâcher la grappe. Attends, sans déconner, je pète un câble si elle accepte de me donner quelque chose. Non! Que c'est mal foutu, putain! Oh non! Vous avez. Alors, tu. Non! Sans déconner, mais c'est bidon à ce point-là! Il faut refaire le chemin inverse pour avoir vraiment la paix! Oh non! Mais elle m'en donne que 20! Tu te fous de ma gueule là? Tu m'en donnes que 20? Vous avez. Tu en as encore assez! Ah non, mais j'y crois pas, quoi. J'y crois pas. Allez, vas-y. Voilà. Carapace, machin. Bah, c'est tout ce que je. Putain, j'ai même pas une autre récompense, tu sais. Non, je te jure, c'est complètement bidon. Ah oui, dans le rêve, je me souviens que j'étais passé là. D'accord. D'accord, donc lui va me suivre. Bah, je veux bien essayer, les gars, mais le problème, c'est que... Voilà. Mmh.
Ouais, tu sais quoi, tu me saoules. Je vais aller en rechercher. Je vais aller en rechercher parce que 4, de toute façon, encore une fois, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. Vous avez... Alors ? Hop. Elle m'en donne 24. Déjà plus que ce que j'avais tout à l'heure. Excusez-moi pour le fait de toucher, j'ai du mal à m'en débarrasser depuis des semaines. Bon, donc lui, c'est pas trop raise. Voilà. Non mais moi je sais pas, dites-moi pour ceux qui ont joué à ce jeu, parce que je veux dire, il est pas mal comme jeu. Il est pas mal, mais le problème c'est que je vois que ça garde des mécaniques vieillottes, t'es obligé de reculer de je sais pas combien de mètres, faut faire demi-tour pour que la sorcière accepte de te donner à nouveau des trucs. Tant que l'autre te suit, c'est pas la peine, alors qu'elle pourrait t'en donner, je veux dire, ça demande 2 secondes. Excusez-moi. Non, franchement, je trouve ça complètement bidon, quoi. Bah là, elle est un peu plus grosse, à mon avis, elle. Ça va demander un peu plus de temps. Alors. Là, au moins, c'est la maman des autres. Moi, c'est déjà un poil plus sympa. Tu pourrais avancer un peu comme que je me tape pas tout le chemin à chaque fois, s'il te plaît. Parce qu'honnêtement, c'est chiant, quoi. Elle m'ordonne que 20, alors 20, 24, c'est très aléatoire. On se demande s'il saute pas au ralenti. Petite musique est sympa dans les combats, ça va. Bon, bah j'imagine que la quête est terminée, mais c'est con parce que j'ai pas pu voir s'il y avait des coffres, des choses à récupérer. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Me venger de Robard III et de ces maudits paladins. Tu fais à peine la différence entre une épée et une brochette. Ils vont te mettre en pièces. Tu voudrais que je ne venge pas la mort d'Aïdé et celle de mon oncle et de mes amis? Non. Mais s'il existait un moyen de te venger, s'enfoncer tête baissée vers une mort certaine... Dis-moi à quoi tu penses. La légende raconte qu'un temple ancien se trouve quelque part ici, parmi les montagnes. La légende raconte qu'il dissimule une enclume sacrée. Les paladins de Robard recherchent ce temple parce qu'ils veulent se servir de l'enclume pour forger des armes pour leur campagne contre Argan. Je vois. Et tu me suggères de me mêler de leur projet. Exactement. Et aussi, si l'enclume existe vraiment, de te forger une arme capable d'accélérer ta vengeance. Où dois-je commencer à rechercher le temple ? Sur la colline, là-bas. À l'auberge de la Vierge Fendue.
Tu y trouveras un mage du nom de Daranis. Il connaît beaucoup de légendes anciennes. Parle-lui. Peut-être qu'il aura entendu parler de ce temple. Ok. Ok, ok. Bon. A priori, ça a sauvegardé, mais je vais quand même re-sauvegarder par-dessus. Voilà. Je sais pas si on est limité d'ailleurs au niveau sauvegarde. Bon, bah voilà. Moi, les enfants, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour cette deuxième vidéo. Donc apparemment, Ivy serait morte. Ah, voilà. Donc je sais pas, ils ont décidé de faire une histoire où tac d'un seul coup tu il se passe des trucs pendant un certain temps mais t'es pas au courant. Bon, j'espère qu'il y aura un retour dans le passé pour comprendre pourquoi. Ça fait un peu bizarre quand même quoi parce que je sais pas. Enfin bon. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Immortal 71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo de jeu. Allez, ciao!